Salut tout le monde, c'est Oupidoz et aujourd'hui on se retrouve donc sur un jeu plutôt sympa qui se nomme Inawood. Alors je le dis d'avance, excusez-moi, je n'ai pas ma facecam, enfin tout simplement que j'ai plus de batterie, enfin ma caméra n'a plus de batterie, j'ai un peu trop usé d'elle ces derniers temps et donc c'est ça. Donc ce jeu, il s'agit d'un survival horror FPS classique, enfin non classique, il y a très peu de jeux en survival horror FPS. Donc pour la petite histoire, c'est tout con, l'armée veut notre mort et nous on va devoir survivre en fait aux attaques menées par cette mystérieuse armée. Ah ouais, on a des armes pour se défendre hein, c'est quand même ouais, un survival horror FPS quoi. Donc ouais, bah survivre le plus longtemps possible en étant découvrir le jeu. Alors c'est vrai que... Qu'est-ce qui se passe? Je vois pas ce qui se passe. Merde. Ah merde. Ah non, c'est un dindon. Oula. Je me fais tirer dessus mais je sais pas où. Alors ce jeu, moi j'y ai joué peut-être 20 minutes. Je me suis bien éclaté dessus. Voilà. Par contre je crois que le son il est trop fort de... Mais c'est pas grave, allez. Ouais bah écoutez, ah oui de la bouffe, putain ça arrive de la bouffe. Ah putain mais chier. Allez, je suis mort. Voilà ouais, on crève très facilement dans ce jeu hein. Si vous arrivez à survivre on va dire allez 5 heures, ça va être un miracle, c'est déjà un gros miracle. Hop, alors on a repris. En plus il y a de la brume, ce qui fait qu'on peut pas voir plus loin que ça quoi. C'est très problématique. Alors ce jeu est gratuit sur HomeStation et on peut y jouer en multijoueur à 4. Donc peut-être que je vous présenterai un gameplay avec des photos si j'y arrive. Mais je pense pas que je vais y arriver. Puis j'aime bien faire mes vidéos un peu dans mon coin. Allez, c'est bon. Donc, ah ouais, le manger aussi, putain, c'est vrai. Faut bouffer aussi dans ce jeu, c'est... Ouais, c'est vraiment de la gestion, quoi. Allez, faut gérer tout ça. Pas d'ennemis. Le point positif, c'est qu'on peut buter l'ennemi, c'est toujours ça. Merde. Il y a eu un bruitage, je me suis dit, ah, merde. Ça y est, c'est fini pour moi, et ben non en fait. La map est assez grande aussi, j'ai oublié de le dire. Les contrôles sont potables. Ah, putain, j'ai oublié le nom, mais allez. C'est bon, oh putain, j'ai géré. Pourtant, je suis une merde en FPS. Et j'ai déjà soif. Et hop. Donc ouais, jeu gratuit sur HomeStation, on peut jouer à plusieurs, c'est vraiment un jeu sympa. Pour déconner facile, enfin, moi perso j'aime bien. Si j'aurais pu le faire avec un autre type, ça aurait été bien. Bon là, y'a rien, c'est impeccable. Il y aura 5 vidéos sur ce jeu, j'ai oublié de le préciser. Un peu comme tous les jeux où je veux pas faire de let's play dessus en fait, tout simplement. Merde, j'ai pas visé, j'ai usé une balle, c'est pas grave. C'est moi, ouais, il a disparu le... C'est bon. Putain, c'est dégueulasse la limite de map en fait. Et pour couronner le tout, il y a même pas de manger, bon. Merde, l'eau. Oh, fait chier. Il se passe quoi quand on est assoiffé? Ah d'accord, on peut plus courir.
C'est un jeu plus ou moins cubique aussi, vous pouvez voir que les graphismes sont... Enfin moi je les trouve sympas parce que j'aime bien tout ce qui est cubique, mais... Certains peuvent ne pas aimer. Putain, où est-ce qu'il y a de l'eau sans déconner? J'ai l'impression que c'est difficile de monter en fait. Oh oh. Oh fais chier. Oh putain, je l'ai eu, j'ai géré. Ah mais il me faut de l'eau là, si je peux pas courir, je suis dans la merde. Bon voilà, j'ai buté un gars de l'armée. Faut continuer d'avancer, on va y arriver. Oh là là, mais il me semblait pourtant qu'il y avait un coin d'eau là, pas très loin. Ah, c'est pas de l'eau là-bas? J'ai les boules, c'est pas ça. Non, c'est bon, c'est bien ça. Je me disais aussi qu'il me semblait qu'il y en avait un assez proche. Par contre, la bouffe, ça va être très vite problématique, ça, je pense. Je connais pas les effets, mais bon, déjà, on sait que à cause de la déshydratation, on ne peut plus... J'ai plus de balles. Ah non, voilà, ouais, on peut recharger. Oh oh. Et ce jeu, en plus, il est précis. Hein. Moi, je suis habitué à jouer à des FPS, donc c'est pas du tout précis. Allez, merde, ça commence mal. Contact. Ok, donc déjà... Oh là 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 là. Oh merde. Et merde. Ah putain, là j'ai les boules. Ah, on était bien parti là. Bon bah au moins, bon, j'ai l'impression qu'il y a une base quand même ici, hein. Enfin pour les soldats du moins. Si on en conclut que le truc là-bas là en gris c'est... Ouais, ça peut faire penser à une tente, ouais bah en effet. Bon allez, dernière partie et hop. Allez, ça commence déjà, putain. On respawnait. Allez, j'ai eu. On tue en un coup aussi, c'est bon à savoir. Enfin après aussi, du fusil qu'on a, ça m'étonne pas. Il me semble qu'on peut changer d'arme. Mais ouais, regardez la gueule qu'ils ont. Quand je vous dis que c'est cubique quand même ce jeu, c'est pas pour rien. Déjà bientôt assoiffé, c'est quoi ce délire? Bon, ok. C'était là, hein, on était... Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, ouais ouais, je déconne pas, on a ouais bah nouvelle information, on a du mal à grimper sur les pentes là comme ça en diagonale qui sont créées en diagonale. Et merde, je suis con. Oh le détail. Je pensais que ça allait exploser. Ah c'est un silencieux. Donc il faut déjà que je recharge, c'est bien. Impeccable. C'est quoi en fait ça? Je sais pas c'est quoi comme animal. Après la musique, ouais. Parle de la musique, moi perso je la trouve pas si extraordinaire. Enfin ça fait une ambiance d'angoisse mais elle se répète en permanence et c'est assez saoulant au bout d'un moment.
Ah, il y a un ennemi là. Putain, il y en a un autre. Ah non, ils sont deux là, il me semble. Ah ouais, putain, ils sont deux. Oh merde, oh putain, je vais me faire victimiser là. Et voilà. Bon bah écoutez, hein. Bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors franchement, ce jeu, moi je l'adore. Hein. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi personnellement, j'ai accroché de suite. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un petit commentaire. Et si ça vous a plu, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir d'avoir un abonné en plus. Allez, tchuss! We'll be right back.